savais bien. Non, j'ai pas mal du tout. Non, je sais ce que tu te dis, Rodeur. C'était pas ma faute. Je vais dire au chef que j'ai tué son garde du corps. Il se retourne, il a exactement la même tête que la limace que je viens de tuer. Enfin, qu'on vient de tuer. Des jumeaux. C'était quoi les chances? Fais en sorte d'être là pour prendre la place du chef de guerre mort. Mais il est pas mort. Je m'apprête à aller le tuer. Oh, bon plan. Je serai juste derrière toi. Et ça marche. Une plateforme d'entraînement. Bien, voyons comment les soldats du chef de guerre s'en sortent face à un vrai ennemi. Secoue une cage pour faire sortir la bête. Si Ratbag parvient à prendre la place du chef de guerre, il nous conduira tôt ou tard à la main noire. Ratbag a tué Garat, le bourreau. Comment c'est possible? Ces ourons qui étaient forts. J'arrive. J'y crois. Je veux bien me trancher moi-même la gorge si Ratbag est un vrai guerrier. Ratbag a transformé le capitaine en chair à pâté. C'est peut-être un vrai ourou. Le chef de guerre est furieux d'apprendre la mort de son frère. Surtout que c'est Ratbag qui l'a tué. Reste là. Tu es à moi. Il s'est emparé de ses troupes. Mort à l'ennemi. Je vais te faire souffrir autant que mon frère. Attention, il va essayer de vous attraper. Il reviendra. Passons dans tes chutes. Le chef de guerre Ratbag veillera à ce que personne ne se mêle de tes affaires. Mais je ne peux pas parler pour les autres chefs. Ne t'inquiète pas pour eux. Et tu me prêterais?
Il me faut une lame mieux aiguisée. Capitaine, quand il reviendra. Et je compte bien en faire partie. Tout le meilleur matériel est transporté à la garnison. Si vous voulez voir la puissance de nos armées, c'est là qu'il faut aller. Laissez ces idiots capitaines faire ce qu'ils veulent. Les chefs de guerre s'occuperont de leur cas avant la fin de la journée s'ils continuent. Dans le coin.
disparaître si on mange la matière grise visqueuse de la tête des esclaves. On devient plus fort. Et si on mange uniquement la viande des jambes, ça nous rend plus rapide. Demandez à l'esclavagiste. Tout dépend de combien d'esclaves entiers on peut avaler. Il en a mangé deux ce matin. C'est pour ça que c'est le chef. Faites tous de bons guerriers. Un d'entre eux était un berserker, pas un guerrier. Je sens la viande. La viande d'esclave. Quand je me bats, je ne pense qu'à une chose. À la haine que je porte à ce que je suis sur le point de tuer. Moi aussi. À ça, et à la façon qu'ils auront d'implorer ma clémence, j'en aurai fini. Le chef dit qu'il est sûr que l'immortel est dans ce secteur. Où ça ?
Allons. Les tuer sans la moindre égratignure, c'est autre chose.